L'AFSA vous présente la course des héros. La course des héros, c'est le plus grand événement de running caritatif en France. Avec 12 millions de dons récoltés depuis sa création, plus de 5000 participants et plus de 250 associations représentées chaque année. Mais c'est aussi un arc-en-ciel de couleurs, des sourires, de la musique, des déguisements. Une grande fête, quoi. La course des héros, c'est deux étapes. Une période de collecte en amont de la course, une concrétisation le jour de la course, le 16 juin à Lyon et Bordeaux et le 23 juin à Paris. Comment participer ? Devenir un héros de l'AFSA, c'est remplir un double challenge. Solidaire en récoltant au minimum 250 euros pour l'association en amont de la course, sportif en choisissant le challenge qui vous correspond. Marche ou course, petite ou grande distance, chronométré ou non, à chacun son challenge. Pour participer, c'est assez simple. Rendez-vous sur www.coursedesheros.com ou en suivant le lien d'inscription fourni par l'AFSA. Vous choisissez l'AFSA comme association, ça vous n'avez pas le choix. Vous choisissez votre ville, Paris, Lyon ou Bordeaux. Vous choisissez votre défi sportif. Une fois inscrit, vous avez accès à votre page de collecte Alvarum. Il faut bien la personnaliser pour qu'elle vous ressemble. Photos, textes, objectifs de collecte, puis partagez-la à vos amis, famille et collègues. Les réseaux sociaux sont top pour ça. Votre inscription à la course est définitive une fois que vous avez récolté à minima 250 euros. Attention, une inscription égale une personne égale une page égale à minima 250 euros de collecte égale un dossard. Si votre collecte est inférieure à 250 euros, vous n'obtiendrez pas de dossard. Mais bien entendu, les dons seront tout de même reversés à l'AFSA. Par contre, si vous récoltez plus de 250 euros, là, c'est génial. Ça fait plus de dons pour l'association et peut-être l'occasion pour vous d'avoir un badge de super-héros ou de héros 5 étoiles. Attention, vous ne pouvez pas courir à plusieurs sous une inscription. Si vous souhaitez courir à plusieurs autour d'un enfant par exemple, c'est possible. Vous pouvez créer un groupe. Cela permettra de faciliter la communication et donc la collecte. Mais attention, le groupe est constitué de pages individuelles. Un groupe de 5 personnes aura donc 5 pages de collecte individuelles. La course des héros pour l'AFSA, c'est la première source de financement de l'association. C'est le plus grand événement caritatif. C'est une magnifique occasion de se rassembler, adhérents, amis, famille. C'est une fête riche en sourires et couleurs. N'hésitez plus, devenez un héros de l'AFSA, parce qu'ensemble, on est plus fort, plus heureux, plus digne.